Bienvenue dans cette vidéo en temps réel pour travailler avec le Rice Bucket. La séance va se dérouler ainsi. Tu auras 30 secondes d'exercice par exo. Aucun temps de pause entre les exercices. Tu les enchaînes pendant à peu près 5 minutes. Je te montre à chaque fois comment réaliser les exercices et après, c'est à toi de jouer. Premier exercice, on va serrer le riz et faire une rotation de poignet. N'hésite pas à vraiment serrer fort le riz pour accentuer la difficulté de l'exercice. Cinq secondes. On va faire maintenant des flexions de poignet dans le riz, poing fermé. On va enchaîner en plongeant les mains tendues dans le riz et ouvrir les doigts. On va davantage travailler les extenseurs. Allez, plus que 10 secondes. 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va faire maintenant des flexions latérales, poings fermés. Allez, plus que 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On va maintenant agripper le riz du bout des doigts. Tu vas voir, tu vas davantage sentir les doigts sur cet exercice. Serre fort, n'hésite vraiment pas à mettre toute ta pression. Dix secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Faire des flexions mains tendues. Ça va être beaucoup plus challengeant que poing fermé. Cherche vraiment à bouger que les poignets. Allez, plus de 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Faire des rotations de poignets. Accentue vraiment le mouvement circulaire. Cinq, quatre. 3, 2, 1. On va faire la même chose, mais dans l'autre sens cette fois-ci. Allez, courage, ça va être notre avant-dernier exercice.
5, 4, 3, 2, 1. Et on passe au dernier exercice. On va reprendre le premier exercice qu'on a vu. Agripper le riz et faire une rotation de poignet. Mets-y vraiment toute ta tension, toute l'agressivité que tu peux sur cet exercice-là, c'est le dernier. Allez, lâche rien, plus que 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on a fini. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu veux d'autres vidéos de ce style-là, avec peut-être des temps un peu plus longs, d'autres exercices éventuellement, d'autres routines. N'hésite pas à me le faire savoir. Sur ce, moi, je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. À plus.